Professeur de 81 à 2009 et élève de 60 à 67, vous êtes donc un des premiers à être arrivé dans ce lycée puisqu'il est, il a été construit Je crois qu'il était ouvert depuis 2 ans, la construction n'était pas achevée. C'était très différent de ce que c'est aujourd'hui, hein. C'était le lycée d'avant 1968. Ça marchait à baguette, il fallait être aligné dans les couloirs, il y avait beaucoup plus de surveillants qu'aujourd'hui parce qu'à l'époque, non seulement l'enseignement était plus sélectif et les élèves beaucoup plus faciles, mais en plus, on avait une quantité de surveillants à notre disposition. Il y en avait dans tous les étages. Il y avait beaucoup plus de personnel que ce que l'on a aujourd'hui. J'avoue que je suis partagé dans cette démarche entre cette responsabilité officielle de maire et le fait que, comme vous, j'ai été élève dans ce lycée de la 4e à la terminale et que j'ai fait partie de ce millésime particulier du bac 1968. Certains diront que c'est de la piquette, moi je dirais que c'est un bon cru. Extraordinaire. Alors, vous avez les larmes aux yeux. Exactement, vous, bah oui. Vous pleurez. Bah oui, bah c'est ça. Hein. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vu? 30 ans. Et vous étiez super copine à l'époque? Ouais, super, super, super. Style inséparable. Ouais. On a redoublé ensemble, on a raté le bac ensemble, on a tout fait ensemble. Est-ce mieux aujourd'hui qu'hier? Je n'en sais rien, et là n'est pas mon propos du moment, même si je m'inquiète, comme mon prédécesseur, de la dégradation des conditions faites de plus en plus à l'éducation nationale. Et je sais qu'à Romain Rolland, aujourd'hui, comme en toutes circonstances, les lycéens et les enseignants s'opposent à juste titre à la réforme, la soi-disant réforme des lycées que voudrait imposer l'actuel gouvernement. Elle se plaignait d'avoir aucun succès féminin et voilà qu'elle l'avoue qu'elle est amoureuse de lui. Et vous vous en êtes jamais rendu compte? Non, 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 mais je suis très content. Il est pas venu pour rien. Vous pourriez vous tomber amoureuse de lui aujourd'hui? Non, sûrement pas, je suis très amoureuse de mon mari. Elle l'a bien fait, parce que c'est ça, c'est la télé.